suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Un nouveau numéro face à face. Vous suivez le début de week-end. Je reçois une personnalité de la presse, une grande personnalité. C'est un aîné, c'est un mentor, c'est un coach, mais il est puissant, les types. Il est puissant, les gars. Comme on dit, Zachary Bababa Soué, le mémorable. Comment allez-vous? Je vais très bien, Christian. Je suis très heureux de vous rencontrer. En fait, vous portez l'image. Mais pourquoi vous voulez toujours me tutoyer? Vous voyez? Bon, je ne sais pas trop. C'est l'image que vous donnez au monde. Non, c'est plus, convivial, c'est plus amical. C'est ça. Comment tu vas? Non, grâce à Dieu, on va bien. Du haut de mes 57 ans, dans 3 ans, je vais célébrer mes 60 ans et j'espère que Dieu va m'y amener. Si, bien sûr. Comment tu fais pour être Zachary Bababassou? Rien, je ne sais pas. Ça, il faut demander à Dieu. Je peux poser la même question à ma mère. Mais elle était jeune, elle ne se souvient pas très, très, très bien, mais elle sentait quand même que quand j'étais déjà dans son ventre, je bouillonnais bien, je bougeais bien. Et vous avez été longtemps, il faut dire, leader de plusieurs choses, hein, des universités, des étudiants, vous avez mené des luttes, je crois, les plus importantes d'ailleurs de notre pays. J'ai fait chanter « Nous, les pionniers du Zaïre, nous chantons allègrement ». J'étais commandant de l'école déjà en 4e secondaire et j'étudie avec... une des sœurs ou cousines de l'actuel gouverneur du Katanga. Ouais. Et puis les aînés de l'actuel premier ministre. Nous avons fait les humanités ensemble, donc dans la petite ville de Likasi, où j'ai appris le Swahili. Donc je suis aussi de Likasi, par mes études. Donc j'étais là, mais toutes les vacances, même de 2 jours, j'étais à Kin, parce qu'à l'époque, il y avait le fameux Libumundun. Mais mon père a compris que je devais étudier. Et comme il était vers Chincolo et par là, pour une formation, il a dit « Bon, tu viens, tu me rejoins, comme ça on va essayer de... Tu vas essayer de terminer tes études, tu es mon fils aîné, il faut que tu étudies et tout. » Et en plus, c'est là Mwana Soda. Mwana Soda, où tu as été, que oh, père Azari Liboso, Kuluna, bon, et Okoma. Mon père était le jeune Lumumbiste. En 61, quand Lumumba décède, il a 17 ans. Il ne pouvait pas entrer dans l'armée. Il est entré dans l'armée en 62 pour se battre. Et c'est ce qu'il me disait. Et il voulait bien combattre pour le Congo. Il a travaillé pour le Congo. Il est mort pour le Congo en mission et sous les drapeaux à l'est de la République. Quinois d'identité. Mon père n'est pas quinois. Non, vous. Moi, je suis un quinois et je le revendique. Quinois d'identité. Avec la culture quinoise. Je m'étonne souvent quand j'étais au Parlement. Quand un collègue allait au village, qu'on l'accueillait avec le tambour, on lui noue un pagne autour de la hanche, il danse, on trouve ça normal. Mais moi, je suis de la culture quinoise, c'est-à-dire je vais au concert. Je vais au concert de Wera, de Jibé, de Kofi, de Nyokalongo, et je vais en boîte. Donc nos collègues qui venaient de l'intérieur n'ont pas de boîte de nuit. Vous ne trouverez pas une boîte de nuit à Ndemba, vous ne trouverez pas une boîte de nuit à... Ah, je ne sais pas moi, à Bassankoussou. Non, il n'y en a pas. Mais dans la culture quinoise, je suis de la culture urbaine. La culture urbaine suppose boîte de nuit, orchestre, mabanga, ainsi de suite. Alors, nous prenons pour des voyous et nous avons l'impression d'accepter ça. Voilà pourquoi nous sommes, nous les Quinois, nous en sommes passés de la quinoiserie à la kinécité. Ah, c'est-à-dire à la valorisation de la culture urbaine. La culture urbaine. Ton visage est associé à la culture, au point que tu as interviewé tous les musiciens de tous les âges, et tu les as côtoyés dans les coulisses, en public, en privé, tu les as côtoyés. Quelle est l'image que tu te fais de cette musique et du musicien? La musique est l'art le plus populaire dans notre pays, avec une incidence réelle sur notre jeunesse. Cet art qui a été promu par la radio,
déjà de la création de la radio dans notre pays, de Dakar à Harare. La voix du Zaïre était le tam-tam d'Afrique. Il suffit pour s'en convaincre de se rendre dans un pays africain, surtout en Afrique de l'Ouest, pour voir comment cette musique l'a rayonné. Au point de faire venir certains jeunes, comme Isaac Muzikiwa, un saxophoniste qui est parti du Zimbabwe pour venir jouer dans African Jazz. Ou un autre jeune comme Manu Dibango. Samangwanda aussi, non? Il était... Samangwanda, lui, il est né ici. Il est né, ah, d'accord. Des parents réfugiés rwandais. Angolais. Angolais. Mais des jeunes comme, Manu Dibango aussi, qui quitte le Cameroun et pour habiter quelque part ici, dans ce... pas trop loin d'ici. Dans la commune de Kinshasa. Donc nous avons à un certain moment, je ne dis pas de Kinshasa et de Brazzaville, ou de jeunes d'ici et d'ailleurs, se chevaucher sans pièce d'identité pour aller chanter à Brazzaville, passer le week-end à Brazzaville, comme me le répétait Simaro de Tumba. Alors, dans la musique... Donc la musique est l'art le plus populaire et le musicien, c'est une denrée la mieux vendue. Alors, le musicien. Voilà. Le musicien, c'est celui, cet homme-là, cet orchestre qu'on essaye de négliger, à mon avis, mais à qui on devrait donner une part importante. J'ai sollicité, et par écrit, auprès du président de la République, pour que ces artistes-là puissent être dotés des passeports diplomatiques. Nous qui avons accompagné les artistes, moi j'ai accompagné Tabouleï à Cuba, devant 300 000 personnes, aucun politicien congolais ne peut réunir. Ouais. J'ai vu plusieurs fois Bercy, les quatre Bercy des Congolais. J'ai vu Mohombi aux États-Unis. J'ai vu Mohombi en Russie, qui sort avec le drapeau du Congo, devant les caméras du monde entier. Aucun homme politique, aucun diplomate ne peut les réussir. Fali, n'en parlons pas, Ferregola et tous les jeunes, même le jeune innocent Baloumé. C'est de vrais ambassadeurs de la musique. Ce sont de vrais ambassadeurs de ce pays-là, parce qu'une phrase glissée lors d'un concert, du genre, je veux la paix à Béni. J'ai vu, fallait le faire à Bercy. Nous voulons la paix à Béni. Peace. Arrêtez des tueries. Ils s'adressent aux Européens. Ouais. Chez eux, aucun politicien n'aura cette tribune-là. Donc, je pense que nous devons capitaliser notre musique, qui est la plus écoutée de l'Afrique subsaharienne, la capitaliser autrement en organisant les artistes comme il se doit, notamment à travers la Sokoda, qui a encore des problèmes, où il y a des maisons tentées, ainsi de suite. Alors, c'est vrai que je voudrais bien qu'on s'étale là-dessus, mais le temps ne me permettra pas. Je voudrais revenir un peu sur la question, une question qui taraude un peu mon esprit. Je me pose la question. Zachary Babasoué, Claudicia, Robert Brazza, et les autres, ils n'ont rien de plus que vous. Mais pourquoi leur nom est cité, ou sont cités, toute l'Afrique, ils ont une très grosse tribune. Mais Zachary, vous vous considérez comme un leader local, régional, ou vous pensez que vous avez la même tribune que tous ces gens? Et pourquoi eux sont là et pas vous? D'abord, c'est un problème d'espace. Claudice est sur la radio mondiale, RFI est dans le monde entier. Par exemple. Robert Brazza, pareil. Mais ne vous en faites pas, je viens de croiser un troisième Zachary Babasoué en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, en Afrique subsaharienne, je pense quand même que je suis connu. J'ai été reconnu à Paris par des Rwandaises et des Burundaises au pied de la Tour Eiffel. J'étais avec Kelly Katenda. Ils m'ont dit qu'ils me regardaient. Quand j'étais à la frontière en 2009, on me reconnaissait de l'autre côté. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs catégories. Je ne suis pas de la même catégorie que Claudicia, mais il s'est fait que pour la nuit africaine, le choix a été porté sur moi que sur Claudie Sia ou sur mon jeune frère Robert Brazza. Donc nous sommes chacun dans son registre. Et le registre que Claudie a, il est plus grand, il est plus large. Et je le salue d'ailleurs en passant. C'est comme notre aîné conseiller K, qui te souvient ici pour mes 40 ans de télévision. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont un support qui leur permet d'être partout. Et mais pourquoi nous n'avons pas eu ce support? Non, parce que la politique du pays ne l'a pas permis à ce qu'on puisse continuer sur cette lancée que nous avions dans les années des indépendances. Et vos frères, je veux dire vos jeunes frères qui viennent après vous, pourquoi on sent une rupture entre vous
Et ceux qui sont juste venus après vous, en vous suivant à la télévision, bien évidemment, il y a une sorte de cassure, il y a une sorte de... On se dit, mais ils n'ont pas les... Enfin, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais on se dit, mais il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Bon, en fait, soit l'addiction, soit l'analyse, soit la manière de faire, mais il y a un truc qui manque. Moi, je pense que ça relève de la compétence de chacun, mais je crois que je suis quand même, je suis resté ouvert à tout le monde, les jeunes qui sont venus me suivre. Moi, j'ai facilité le déplacement des 17 journalistes vers Paris. Hein, même si aujourd'hui, ils refusent, mais c'est moi qui suis à l'origine. Qui était ce... Ah non, mais ils sont nombreux. Ils se reconnaîtront. Hein, Mamie Léla, Yves Kambala, les Jinnawej, les Boui Boui Boui. Si, en tout cas, ils ont vu l'Europe pour la première fois, c'est sous mon action. Pourquoi? Parce que j'avais voulu que nous soyons nombreux à accéder à des choses bien. Donc, c'était un peu ça. C'était, j'ai essayé d'ouvrir la porte pour beaucoup. J'ai créé le Lingala Facile, qui est un concept qui m'appartient. Mais qui a marché. Mais qui a marché. Oh, mais j'ai laissé tout le monde... Les gens vous ont aussi attaqué. Oui, mais en notamment... disant que vous avez imbécilisé les journaux. Oui, c'est ça que vous avez, ce sont, vous avez rabaissé. C'est eux qui ça. Étaient... Excuse-moi le terme, c'est eux qui étaient des imbéciles. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait... Que les choses avaient changé, que j'étais en train de révolutionner. Aujourd'hui, il y a même pire que ça. J'ai été combattu par une institution... Toute une institution, tout un ministère. Vous comprenez? Toutes les organisations. Oui, parce qu'on disait que vous ramenez les. Oui, vous êtes l'élite, c'est eux vous suivez la foule au lieu que la foule vous suive. C'est eux qui n'ont rien compris. Moi, en tant que chercheur indépendant en histoire de mentalité, ce côté-là, je l'ai utilisé pour comprendre que dans ce pays-là, même ces fameux journalistes-là, est-ce qu'ils parlent mieux français que moi? Non, ils ne parlent pas mieux français que moi, mais j'ai compris que le public auquel nous nous adressons, avait un niveau qui permet, qui voulait à ce que je puisse leur parler dans le langage qu'ils comprenaient. Oui, mais après vous avez vu le bazar qu'il y a eu. C'est tout le monde qui fait Lingala. Mais maintenant, qui interdit? Il y en a 200, 600. Oui. Qui interdit? Mais c'est à cause de vous, parce que vous avez... Ah, vous c'est avez... à cause de moi. Oui. Moi, je deviens l'État. Donc, c'est-à-dire, on n'arrête pas le vent comme chante Jibin Piana. Est-ce que vous vous reprochez d'avoir détruit la jeunesse? Des gens disent que vous avez fait miroiter la jeunesse, que l'Europe était l'Eldorado. Mais l'Europe est une très bonne chose. Moi, même si j'ai réussi, c'est bon, c'est parce que j'étais en Europe. Oui, mais après... L'Europe est une très, très bonne chose. Après, vous avez vu la bombe que vous avez fait là-bas. Tout le monde devient combattant pour la plupart des cas. Hein? Oui, mais ça, c'est... Moi, je n'ai pas vendu, j'ai pas vendu l'arme de mon père pour partir là-bas. Oui. Donc, chacun partait avec son objectif. Donc, je pense que l'Europe est une très bonne chose. C'est une grande école. Beaucoup d'ouverture d'esprit et je suis rentré ici pour essayer d'adapter ce que j'ai vu là-bas aux réalités congolaises et ça a marché. Zacharie se reproche de quoi dans tout son parcours? S'il fallait refaire, quelles sont les erreurs que vous n'allez plus refaire? Je ne pense pas qu'il y ait des erreurs. Hein. Moi, je crois qu'il y a eu... j'ai trop fait confiance aux gens qui se sont retournés contre moi tout de suite. Il n'y a pas eu d'erreur. Je crois que Dieu m'a fait convaincre que mon rôle était un rôle d'être un pont, c'est tout. Le pont ne pose pas la question sur qui passe et qui ne passe pas. Est-ce que Lingala Facile, je veux dire non, Direct Télévision, est-ce que c'était un canular de dire que les gens, bah, comme on disait en Lingala, Sombe Lazak, les TV, on a dit que c'est Olive Lembe qui vous a donné la grande partie de l'argent. Elle n'a jamais rien donné. C'est vrai? Non. Elle a donné quoi? L'argent a été donné par les Congolais. C'est pas elle. Sombe Lazak, les émetteurs, n'a 1000 francs. Mm. C'est tout. Qui ne sait pas ça? J'ai toujours dit à haute voix que les Kabila ont utilisé et mon image et ma popularité et tout. Et j'en suis sorti réduit. Mais député quand même, t'es sorti député. Et c'est moi-même. Est-ce que tu sais que j'ai été député avec plus de voix que Fayoulou? Pourquoi la comparaison avec Fayoulou? Non, je te donne un exemple. Non, je te donne un exemple. Ah, d'accord. C'est pour dire que ce n'est pas eux, c'est ma propre popularité. Mais c'était déjà avec la campagne américaine dont vous avez montré. Mais c'était fabuleux à un moment donné. C'est Zacharie, franchement, je me disais, c'était innovant. C'est ça, hein. Le Zacharie. Mais je n'aime pas quand les gens me disent que je n'aime pas. Je n'ai rien bénéficié de chez le Kabila. Rien de chez le rien. Comment vous êtes rencontré? J'ai tout ce que j'ai, c'est par mon travail. Comment vous êtes rencontré avec Kabila? Vous vous rappelez? Je me rappelle très très bien, je l'ai rencontré pour la première fois à Berlin en 2001, devant le professeur Faustin Luangé et M. Ipakala ici, le jeune président de 28 ans voulait me rencontrer. C'est lui qui voulait vous rencontrer? Bien sûr. D'accord. Et... Moi j'étais en Belgique et notre ambassadeur, paix à son âme, qui sont dans Mazakala, s'est chargé d'organiser ma rencontre avec le président et je l'ai rencontré à Berlin. Quand vous le rencontrez, vous vous dites quoi? Non, il me demande de rentrer au pays, qu'il avait besoin de moi. Moi, je disais que
Je venais de signer, je venais de démarrer à Télé-Bruxelles avec Eric Nindou, l'actuel... Charcom, le chargé de communication du chef de l'État. Nous avons travaillé à Télé-Bruxelles. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, mais je pouvais l'aider de loin. Et il m'a mis en contact avec son directeur de cabinet qui s'appelle M. Théophile Bemba. Ah, à l'époque. À l'époque. Mmh. Et qui est chargé de communication, M. Robert, porte-parole, M. Lambert Kaboy. Et nous avons commencé à travailler et ils m'ont zappé, tout simplement, tous les deux. Comment ça, zappé? C'est-à-dire que le président a dit, voilà, Zachary est là, nous sommes rencontrés à Bruxelles, on a fait un programme, j'ai envoyé ce que je voulais faire, le président était d'accord, j'ai envoyé au directeur de cabinet et plus rien ne s'était fait. Et j'avais compris. Et vous avez laissé tomber? J'ai laissé tomber jusqu'à ce que je vienne à Kinshasa. En 2005, il y avait un problème avec la CENI. L'UDPS s'est acharné. Il y avait une phrase de l'abbé Malumalu sur le report probable des élections. Et il y a eu, moi j'étais à Kinshasa, ce jour à Kinshasa, il y a eu des jeunes de Tchangou qui se sont attaqués à l'église catholique. Alors moi j'ai dit, mais quand les jeunes de Tchangou bloquent le Rwandais, ce sont des héros, mais quand il se passe quelque chose, on dit que ce sont des voyous, des drogués. Alors j'ai amené ma tige à l'entrée de l'entrée de Ndjili. Mm. Pendant qu'on faisait l'émission, le gouverneur Jean Kimbunda, à l'époque, a envoyé ce qu'on appelle les maîtres pour venir nous disperser, nous arracher le matériel. Par des maîtres qui avaient des paquets dans le Barnatobo, là on avait fini. Ils sont venus et ils ont arraché les micros, ils ont dispersé les gens. Et puis il y a un qu'on a attrapé et on a fait comme on fait à un voleur. Parce que je ne sais même pas s'il a retrouvé ses sens après. Parce que la manière dont il a été tabassé, les autres ont fui. Et j'ai eu la vie sauve grâce au colonel Raus de l'époque, le général Raus que je salue, qui a envoyé une équipe pour venir me sortir de là. Et là, c'est les Zachary tout feu, hein. Quand je suis rentré à l'antenne, alors j'ai savonné et le ministre de la Culture et de l'Intérieur et le gouverneur de la ville comme pas pareil, comme je savais le faire. Je les ai savonnés. Les caméramens ont même fouillé le studio. Parce qu'à l'époque, ils ont craint que... Mais je les ai sérieusement savonnés. Et je reçois un coup de fil. On me dit qu'il y a le commandant de la DEMIAP qui veut me rencontrer. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait peur. Mais c'est son nom qui m'a fait peur. Il s'appelait comment? Il s'appelait Etumba. Alors j'ai imaginé... Etumba Bengio. Etumba Sarma. Pour qu'on aille au Sarma. Le Bolozia Bengio. Bolozia Zoloukal. Tu vois ce que c'est? Heureusement, j'avais des gens là-bas. Je salue le général Jules Cagrave qui m'a dit non, il ne faut pas avoir peur, c'est un intellectuel. Il faut le rencontrer. J'ai été le rencontrer aussi Cotra, côté de casier judiciaire plus bas là-bas. Je l'ai vu là-bas et je ne savais pas que c'était lui. J'ai vu un monsieur entrer, comme ça. Et il commence à me parler en français. Moi, je pensais que c'était. Bon, j'attendais que le général Etumba vienne, pour te voir le nom. Mais c'était quelqu'un qui parlait un français châtié, qui est venu et puis il a commencé à me parler, un très bon français. C'était lui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit en réalité, en fait? Non, il a commencé d'abord par m'engueuler, moi je suis attaqué à tout le monde, et puis après, on a dit non, il faut arrêter tout ça là, moi je suis ton grand frère, je suis qui, moi comme toi, on va essayer de parler. Mais j'ai dit, mais justement, quand j'ai entendu que je devais rencontrer le général Etumba, pour moi, les Tumbasé, bon. Njambi yo ina yaouli, yabo sakane na biso bobete mon film. Qui a fait l'école royale militaire, un gendarme formé, qui m'a reçu, et puis après en sortant, il m'a dit Alimino Batapoto Batanzala, il a beau passer 4 millions de francs. Mon abdon, c'est comme ça qu'il s'appelait le gars. Ok. Mais la suite, ce n'était pas bien passé, parce que toutes les promesses que le général m'a données, aucune n'a abouti. En dehors des 4 millions. Non, on transport, c'est pour les alcam. Là, quand nous avons un petit qui a voyagé en business, après même Théophile Bemba, que j'ai on en a raconté, j'étais ici à Kinshasa. Un jour, son assistant qui s'appelait Kimbuta m'appelle et dit non, vieux à l'objet, bon, il n'a assez rien te faire, mais il te rembourse ton billet business. J'étais prendre, je crois, 5 000 $ à l'époque, et ainsi de suite. Donc, je pense que j'ai beaucoup servi ce pays. Et le même soir, il ne m'a rien dit. Et c'est le soir, vers 15 h midi, mais j'ai l'impression que le président. Je veux te rencontrer. C'est comme ça que j'ai compris
que c'était le président qui lui a demandé de... Et tu l'as rencontré, le président? Je l'ai rencontré. C'est à ça que c'est on s'est rencontré à trois. Moi, le général Lutumba et le président Kabila. Ouais. À GLM, et on a essayé de parler. Il m'a dit, Zachary, j'ai besoin de toi. Je veux que tu sois disponible ici. Lui aussi, tout ce qu'il m'a promis, rien ne s'est réalisé. Mais parce qu'il y a toujours des intermédiaires. Mais au-delà de... ça fait de vous quand même, je veux dire, un bon historien du présent et même un bon témoin du passé. Parce que vous partagez deux mondes, je vais dire même trois mondes. Vous partagez le monde culturel que vous maîtrisez convenablement. Vous partagez le monde politique que vous connaissez très bien. Parce que vous connaissez tous ces politiques-là de leur début jusqu'à aujourd'hui. Personne ne vous fait peur parce que vous connaissez tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pour ça mon livre s'intitule « Dieu me cherche des problèmes ». Pardon ? « Dieu me cherche des problèmes ». En te donnant tout ça ? Oui, parce que j'ai connu Mobutu. Oui. Personnellement, j'étais le rencontré à Kaweli. Ah, vous avez rencontré Mobutu, le maréchal ? À Kaweli. Ok, vous devriez être jeune en ce moment. 26 ans. Ah, d'accord. J'ai rencontré Moussa Laurent-Désiré Kabila. J'ai rencontré Joseph Kabila. J'ai rencontré Tshisekedi. C'est un privilège. Un vrai privilège. Pour un journaliste et pour un acteur politique en même temps. Mais avant de parler de votre carrière politique, il faut d'abord revenir sur la Côte d'Ivoire, qui est finalement le tout récent, hein, il faut dire. Ahmed Bakayoko, enfin pas Ahmed Bakayoko, il faut dire, deux premiers ministres meurent dans 6 mois. C'est quand même pour la première fois de l'histoire. Même en Afrique, on n'a jamais connu ça. C'est une avant-première. C'est une avant-première. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est votre, je veux dire, une deuxième ville pour vous, parce que vous maîtrisez la Côte d'Ivoire, vous conduisez, il faut le dire, en Côte d'Ivoire. Vous conduisez comme vous conduisez à Paris, comme vous conduisez en Côte d'Ivoire, comme vous conduisez au Congo. À Montréal aussi, je conduis. À Montréal aussi, vous conduisez. Oh, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, d'abord, comment vous apprenez la nouvelle? Est-ce que ces deux, vous les connaissez? Vous avez connu? Je rencontrais Ahmed Bakayoko ici à Kinshasa en 1996. Il est venu, d'abord en 1991, il est venu chercher le Wingé, groupe Wingé. Le groupe Wingé était parmi les groupes qui relevaient de Yoshad Productions, dont j'étais l'administrateur. Donc, le groupe ne pouvait pas bouger sans l'accord du fils de Mobutu, Saddam Hussein. Et Saddam Hussein a autorisé que le groupe parte pour 2 semaines et le groupe est parti pour 3 mois. C'est Ahmed Bakayoko qui vient le chercher. Et puis, il y a eu... une autre fois, Ahmed est revenu pour chercher encore le groupe. Là, en ce moment-là, nous étions presque déjà en scission, en 1997, le dernier concert de Wingé, et JB a refusé de venir. Donc, nous sommes partis avec Ouer Hassan et tous les autres musiciens pour répondre à cette... C'est la vidéo qui circule d'ailleurs où Ahmed danse le Ndombolo. Ah, c'est cette vidéo-là? C'est cette vidéo-là, c'était en ce moment-là. JB n'était pas là. Pourquoi il n'était pas là? Il est allé faire Feu de l'amour. Il était à Paris pour finaliser Feu de l'amour, Torotique a tenté. Voilà. Et Ahmed Bakayoko, je m'avais fait même rire à un moment quand vous m'avez dit que. Bah, il faisait que les Coréens me connaissent. Mais il y a des gens ici qui pensaient qu'Ahmed Bakayoko il était congolais. Il était congolais et les gens pensaient qu'il était congolais. Mais est-ce que toutes ces personnes qui l'ont cité les connaissaient? Non, pas spécialement. De ces jeunes qui chantent ici, même moi en Côte d'Ivoire, mes jeunes chantent aussi. Ils ne m'ont jamais vu. C'est un peu une pratique. Il y a même des gens qui portent nos noms là-bas. Et puis parler lingala. Vous avez rencontré trois Zachary. Oui, oui. Le troisième, je l'ai rencontré là dernièrement. J'étais avec le papi Mboma. Il l'a vu. On lui a dit que je suis avec Zachary. Moi, j'étais avec Edoxi Yao. Oui. Hein, que je vais faire venir ici. Edoxi Yao et Grand P. Mais Edoxi Yao, c'est celle que. C'est pas celle. La femme de la Grand P. Oui, non, mais non. Il y a une. C'est naturel. Qui... C'est naturel. C'était elle. C'était elle. Bon, j'ai publié sa photo, mais oui. Il y a sa vidéo, il annonce. J'ai vu avec le Grand P. Oui, ils vont arriver. J'étais avec Grand P, j'étais avec Edoxi Yao, ils m'ont reçu chez eux. J'ai vu avec Papi Mboma aussi. Avec Papi Mboma, on a été manger chez Grand P. Mais Papi Mboma, c'est un jeune talentueux aussi. Très talentueux, et puis il a de l'avenir. Je lui ai beaucoup parlé. Je l'ai amené à des endroits où j'ai dit, regarde ça, ça tirait mieux de faire au Congo. Parce que Mboma, il a quand même, il faut dire que je me sens dans l'obligation de vous soutenir, vous tous. Ouais. Et d'essayer de vous orienter parce que moi, je n'ai plus assez de temps pour être à l'antenne de manière permanente. Oui, mais je l'ai dit à Israël vous hier. Êtes notre Turquère, oui, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas être à l'antenne. C'est comme je l'ai dit pour les artistes musiciens. Ouais. Parce que je parle autant bien avec Fali qu'avec Ferré. Et quand je vois Ferré, je lui parle tout le jour de Fali. Et quand je vois Fali, je lui parle tout le temps de Ferré. J'ai dit, ben, je serai votre producteur, nous allons faire une conférence de presse à Miami pour annoncer votre duo. Pourquoi Miami? Ça, c'est ma idéologie, là. Conférence de presse dans Miami. Fait rigolo, là, il fallait pour pas. Besoin d'annoncer que non. Tout ça, concert. Tout ça, l'album. Album. Tout ça, l'album. En fait, le problème. Comme on a RDC.
Ouais, tu as D, et puis Mouton Tatché, générique, et moi, c'est l'animation. En fait, le problème, c'est que. C'est ça le roi Sinzembo. Ce que la problématique, c'est que nous avons eu un plateau, nous avons eu un plateau qui est nous, et nous avons eu un politique qui est nous, et nous. Parce qu'il y a finalement tout ça qui. Il y a de la ressource, en fait. Alors, nous avons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez une relation personnelle avec Ahmed Bagayoko? Oui, il y a une relation personnelle avec beaucoup plus renforcée, et ça, j'avoue. Grâce à Fali. Parce que Thio Renolia n'est pas Ahmed Bagayoko pour la bonne année. Il a battu une liste. Parce qu'il a un demi-dieu. En quoi, il avait beaucoup d'argent ou comment? Il a un bon, il a une influence à Osaranate. En fait, c'était le vrai président de la République. Oh, c'est vrai. Ouattara qui l'appelait son mon fils. Il a tout. Il faut mon sécurité. Même photo, on a publié qu'il y a un anaï à Spokolowana. Pour toi, quand il y a des photos. Tant qu'il y a 6 000 ans, ça va, Zachary, ça va au pays. Il faut qu'on ait le temps de parler. Même si on peut prendre une photo. Oui, on a PC à Paris, on a une photo. Parce que Sodom, tu as une photo. Tu as une photo. Et Mambima. Et moi, flou, mais j'ai gardé la photo. Donc, oui, Toi Banaki, Aïbi qui est au Zachary Baba, c'est très très bon à Zanakini, Aïbi. Pourtant, à Zanakini, il y a un Kini, toujours pour t'en appeler. Mais qu'est-ce qu'il représentait pour la Côte d'Ivoire? Parce que les gens l'ont beaucoup pleuré. Donc, c'est un jeune un rassembleur. Ah, on a Congo, on a évité de comparer Nanak. Azan Mutumoko, il n'aime pas pouvoir, mais en même temps, Azo Fungola Nzela, quoi. On a permettait, par exemple, à Gbagbo, Azo le passeport Naye. On a Blegoudé, c'est lui. Mais dernièrement, moi, j'ai constaté Salami en octobre, c'est lui qui était. Ouais. Moi, mais dans l'image, il y a Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo est derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vieux vétal à Pau. Et puis, ceux qui ont ça, bon, ils sont là. Je crois aussi. Parce que même Charles Blegoudé l'a dit que Nuit était Ahmed Bagayoko, en tout cas, le premier n'est pas pire que ça. Tant que présence n'est pas la mienne à Ouattara. Mais bon, on va sauter les lots, donc il est compliqué. Est-ce que tu penses qu'ils ont un jeu politique là-bas? Parce qu'on n'a pas. Toujours est-il que c'est une grosse perte, et je l'ai senti. Je ne pouvais pas ne pas être en Côte d'Ivoire le jour où Bazo Tchéen a Samabélé. Et pour ça, merci Mingina, gouverneur, on a besoin de Gentil Ngobila. Il y a un mastermind Bakayoko. Oh, ok. Gentil, tu as pu mettre que Toko Makuna, un ministre de l'Ebso provincial, moi, à Taboulay, donc délégation qui va bien, moi, à Taboulay, qui était très adoré en Côte d'Ivoire, le papa Taboulay. Okay. Il y a inauguré l'hôtel Ivoire, il y a eu la marque de Banzimbo, il y a eu vendu à Pekuna Mingi. Donc, il y a eu un papimbo Manangai, na bande comme Soso Kofi Fali Fabigas, quand même moi Congo tu as bien ambassade na biso, surtout la grande communauté congolaise il y a Côte d'Ivoire et particulièrement la maman ambassadeur na biso maman Isabelle doyenne il y a corps diplomatique africain mais soyi sangoka nyama na bango bien ni ndima po hein po afuta loyauté. Est-ce vrai d'abord avant tout content, est-ce vrai que Fali a boué qui kozoa bah foutez là bon mot quelqu'un. En tout cas, Elo Kassali est très apprécié dans Boka, par un Ivoirien. Ayo Lela Moutounaye, Aboyi Bazoye en charge. Même les artistes, Oba Prestaki, Bafoutaki Bango, Yaboya Gozoa. Ah, ok. Ouais. Mais les autres Bazoaki? En tout cas, Bissou Bazoaki Nabango. Yaboya Kinaye. Yaboya Binango. Après, on a mis Bakayoko dans Zoate. Donc, il était très proche d'Ahmed Bakayoko. Makassi. En fait, il était proche de la famille. D'ailleurs, la preuve, tant qu'il y a un Koutou, personnellement, il y a un monde a été avant, pour cela, on a été un peu blagué. Parce que c'est un gars qui aime beaucoup rire, qui aime beaucoup blaguer. Donc, surtout quand on a été blagué, on a l'attitude de la Côte d'Ivoire, il y a blague. Donc, je l'ai évité. Fali. Ouais, vraiment, il faut qu'on attend encore à Barbier des autres côtés. Les autres côtés, ils ont des temps à réaliser ce qu'il y a. Il a pleuré. À s'effondrer avant d'avoir une amabilité. Aujourd'hui, Fali a quelle dimension à l'extérieur? International, oui, à Zaliba, la musique. Il a, tu penses qu'il a dépassé Bakofi, Bawira, oui, déjà, qui est déjà. Autre temps, autre mère, c'est ça qui est. C'est que ça, mais Voloko, comparant les autres. Hein. En tant que culturel. C'est ça qui est. Okay. En tant que les Nations Unies, on a une unité qu'on compare. Il y a 52 concerts à Pôtre. Non, tu sais, il y a un peu de temps, on a beaucoup. En tant que culturel, et Mouto Mouni va mission à parce que yo il sera Fali ou Robert en mission au Kangam. Tu le connais, qu'est-ce qui manque aux autres musiciens que Fali? Équipe. Ah d'accord. Équipe. J'essaie de voir comment ils travaillent, manager Nae,
Medina. Voilà, Nathalie, manager. Un manager qui s'efface, mais très efficace, il prend tous les rendez-vous. Son assistante, Manon Lubaki. Équipe Prona Mbasco, Kotope, Edi Badiata. Donc, Nathalie, Axe Kinshasa, Paris, Ndeni Bazar au manager Masolo. Et comment à un moment donné, à Tabo Vandamino, au développement, on a bâillé, Bazo pour une image ni Bacha. Et puis, il est très réactif na. Mais les autres, tu penses qu'il y a encore un problème d'équipe? Ouais, Bazan, nous savons que Bazo, nous avons une équipe. Mais est-ce que. Mais après, Fali, la scène à Bango, il y a, c'est vrai que ma jeune mordue, ma Lélo. Il faut un grand festival et il y a autre chose dans la francophonie, tout. Je serais très content. Bon, il y a 20 millions d'habitants, Kinshasa, 20 millions d'habitants, trop, il y a 6 musiciens. Osa. Voilà, ma petit, nous sommes dans la Talama, dans la Selemba, dans la Kisenso, dans la Bumbu, dans la Kankokolo, dans. J'allais même poser la question. Mais surtout musique, musique chrétienne. Na auto yo kanze moment na radio na car. Na kan tsa ni ti ya ba na me oyo américain to ni. Tant je reste assis ici à Arabie que nous à za ne congolaise. Ah oui man anglais mais à voyager ti. On a tous un talent au sala te. Mais vous vous imaginez si on vendait l'état vendait des disques comme au Nigeria. $1 disque. Tu as un musicien? Mais il y a une victoire, il y a un disque qui a 1500. Et voilà, parce que je suis installé une loi qui est disque qui a produit. Donc, le commerçant a un disque. Donc, on a un disque qui a été fait pour nous. C'est ça la politique. Vous avez porté parole à la francophonie. Aujourd'hui, on a joué à la francophonie, voilà tout ce que l'on dit. Mais c'est aussi la culture congolaise que l'on voit. C'est-à-dire que, Naïda Bona profite, merci, ma chapitre, parce que comme Ramamboka, Bande Konambiso, Bande Konangai, président Fachi a récupéré l'organisation et a joué à francophonie. Pour ma ministre FCC Cash, ma salle deux ans, ma dosé le Kamongo pour Essimbate. Pour le logo, permettre la mobilisation au Saharate. Touyamba a en Congo 88 délégations à francophone. 88. Nous avons insisté. Ba Cambodgien, ba Vietnamien, tout le monde a filmé à Rambo, ba Roya Awa, ba Roya Rubunda, na ba Tacher Nabiso ya Semuzei, ba Rubunda, na ba boxeur Nabiso, tous ba Canadiens, ba Marocains, ba tout le monde se va français, ba Roya Awa na Kata Kishasa. Nous tous à la fois organisateurs, nous tous yamba ba Tutuana, en même temps trois ba compétiteurs, dans 9 disciplines. Football, yaba na Basi, Ezali. Oh. Okay. Et il faut tout préparer. Tu as un match canadien, française, tu as une fille à moins de 21 ans. Tu as une équipe à Mibali. À moins de 21 ans, tu as une compétition, il y a un jeu de la francophonie. Il faut tout préparer, équipe. Tu as un entraîneur, il y a solo. Tu as une source de boxe. Boxe et Rosala. Tu as boxe, tu as un bon pour tout le monde. Tu as une coupe, une médaille, tu as une boxe. Tu as une course. Yambangu, course nyonso, 100 mètres, marathon nyonso. Pour un marathon, tu as un motema, na bande kwa Kivu. Banda mou, bakuna matati, koleka gomwe, koleka babeni, tu as besoin de bino. Ba Kenyan de baganyadou, na bechopie, bazate. Tu as un trébisso ba francophone. Donc, ba petit, ba kote, kuna moussa la ba répétition, bo mataba ni dunga, ba ni ragongo, bo ya to gagne, ba marathon wana, parce que bino bozali. Tous les pays na course normale. Yanke moka bungandanga a roya wa bo encadrer les bisoye na athlétisme. Aoufa. Aoufa pena c'est aller soka kei a violer même règlement. A violer règlement au tellement de vitesse. Vitesse c'est l'équipe a violer règlement. Tellement dans la 50 km par quand on doit kangito de ba kufi na pema de ba kufi na pema tiki bango a landi toi kangi bango na mabogo. Ce que batoni ni wana bazali. Yango to sena fédération athlétisme. Pour la Congo, mon potentiel. Bato va sur savane, on a plateau Kundelungu. On a mouba 4 mois à la Narangoulou, à l'Andie, et on a bouti à Kagé. Bakota en équipe nationale, pour la médaille éthique. Et puis, tout ça, la compétition, on sous et bilé. La musique, c'est ça. Alors, musique, c'est ça, activité périphérique. Alors, on a tout ligné que Bapara, pour préparer Bana, ma sportif, boutique à Bimela Mela. On aura bien boxeur, Maramoutou, mais on a la gare, moi, à Guéné, Tika. Et puis, âge à FIFA. Dans un système,
pour moi, nous devons aboyer. Le quoi la réalité, on limite. Oh, ils ont 25 ans. Mathieu Dio, c'est quoi au porte. Mathieu Dio, c'est quoi au Marocain à 25 ans, solo. Donc, combien ça, 2 secondes, et bien, il faut dire, moi, c'est moi, c'est qui. Oh, donc, âge, des facteurs. Bon, ouais. Donc, ça dit qu'il faut pénal, tout préparer ma petit bien, ma dernière bien. D'accord, dans une idée que toutes nos fédérations, qui ne quittent pas. Ah oui, tout en a battu qui tourne. Comme ça, ils sont isolés là-bas. Ils sont isolés, mais qui tourne, il y a tout là-bas. Oui, oui. Parce que ça, là-bas, on a mis quoi, ma soda, pour tout gagner, ma mère. Il y a 336 médailles à gagner. Il faut toujours être décent, et tout dans Boka et les Arabiens. Donc, Lelo, le haut représentant et chef de l'État, il m'a dit de manière permanente Zach Leib, ça va qui, va Congolais, qui va Géo et Abango, et l'activité périphérique et Zali. Nous avons 450 ethnies, 900 dialectes. Donc, un Congolais parle au moins deux langues, français, na lingala, français, yomoro polyglotte. Lingala soit 5, na soit français, lingala, swahili, chuluba, du Congo. Donc, ça, c'est la richesse en Mboka Nabiso. Mais, souci, c'est que les Congolais, nous, on va participer. Surtout, la zone où il y a la guerre, on va continuer à faire ça. Et ça, il va continuer. Et ça, on a dit ça, dans le stade Tata Raphaël, okay. Et on a appelé dans Fikin, et on a appelé dans le stade des Martyrs, donc on a l'athlétisme. Donc, on va continuer à faire ça. Tout le monde a fait ça, et comme la compétition, mon gros. Internationale. Et comme on a fait la francophonie. Quatre pays déjà, et puis on a appelé dans le roller. Okay. Maman, d'un peu si le président de la fédération, on a mis Jacques Lopou en beauté pour la moussala qui tourne. Est-ce qu'il y a un handball pesa? Yango Zaté. Basket Eza? Basket Ezali. Basket Ezali, tous ans dans le même jeu. Si je peux parler, on a robot sanaté. Tous ans dans le football féminin ouais. Et foot, masculin. Tous ans dans le basket. Tous ans dans le judo. Tous ans dans le karaté. Course. Tous ans dans le saut. Oui. Pas sonnant surtout en hauteur. Qui va petit moi sauter les bisous? Petit moi on va sauter danger. Petit moi on va sauter danger. Fazal. Coach, pardon, toi, catch. Dans la catch, nous avons, or, nous avons 9 jeux en compétition, ouais, donc juste football, masculin, féminin, le judo, l'athlétisme dans toutes ses dimensions, le saut. Les sauts dans toute leur envergure. Juste, Nathan et judo déjà, je pense. Judo, karaté. Judo, karaté zaté. Karaté zaté. Je me souviens, dans Bossani. Mais là, 9. Mais ça, 9 OESA en compétition full. Et trois autres OESA en compétition extra. Et qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que ces jeux représentent pour nous? D'abord, nous sommes un peuple civilisé. Vous êtes en mesure de faire visiter votre pays. Il y a toujours des retombées. Vous êtes en mesure de faire visiter votre pays. Il y a toujours des retombées. Vous êtes en mesure de faire visiter votre pays. Vous êtes en mesure de faire visiter votre pays. Vous êtes en mesure de faire visiter votre pays. Vous êtes en mesure de faire visiter votre pays. Vous êtes en mesure de faire visiter votre pays. Vous êtes en mesure de faire visiter ce qu'il y a, l'architecte congolais est capable de repérer sa vie et le moment où on a moins de 9 mois. Parce qu'il y a un problème, en fait. Il faut dire qu'il y a une polémique qui est belle. Je ne voudrais pas rentrer dedans. Mais il y a une polémique qui est belle. Il y a un journaliste, il y a un Solango. On a indexé M. Kaboulo, on a indexé les autres. Et bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Ma solo est IGF. IGF, dans ça, ça on a bien ma casse de couleur. Alors mon tout aller un frein à l'État, il faut aller maquer. Revenons à un chapitre politique pour terminer. Et M. Nabisso, Zachary Barabassoué, sénateur, il va interpeller IGF à Kendekouna parce que lobby que IGF a un inspecteur à Lingete, a folklorique, a un propos dégradant. Il a osé traiter le Sénat d'une chambre de voleurs. Alors pour Nabango, trop c'est trop, monsieur Lingete, il doit assister avec ses menaces, il a menacé Matata, il a menacé Bakunga, maintenant, ça en est assez, il s'en prend au sénateur. Et il menacera beaucoup d'autres personnes qui ont eu à gérer l'argent de l'État. Il faut l'arrêter tout de suite. Et moi, je le soutiens totalement. Sauf que je voudrais dire à nos sénateurs que monsieur Lingete relève de la est un fonctionnaire de la présidence de la République, donc pas responsable devant les deux chambres. Voilà. Donc, il faut voir comment l'être. C'est le président Dima. Entre-temps, il y a le temps, il y a un peu de temps, il y a Samba Olunga. Samba Olunga. Yo Zachary Barabassoué, avant comme sénateur, vous allez qui ministre, il y a budget. Budget. Mbongo Bima qui a budget pour yo Otonga. Immeuble, il y a budget, c'est 21 millions. L'État, tout n'est pas un bon sali, on est si vite. Bon, on menace battre. C'est tout. Est-ce que ça vous... le loroté. Mais Zachary Barabassoué, pourquoi les gens ont peur de poser mon question? Nous sommes, nous sommes le Bambi, ministre et Kabila et la justice. Oui.
Inspecteur Nombambi. Conseiller en matière Conseiller en matière de lutte contre la corruption. Aoutio Lobay encore hier, un bel journaliste. Mboka Oyo Miibi Baza. Et il a dit, Bazan au Sénat, Bazan au Parlement, Bazan à l'Assemblée nationale. Mais il y a Lingete Mabé Faïd. Il y a Lingete Mabé. Pour Lingete, Azolo Bango y a vis-à-vis en des termes quinois qui passent dans la population. Il est quinois lui aussi? C'est un rapport à qui ça se dit. Tout le temps, il y a Bango, Matata Pogne, on a Kampa, on a coiffé, on a un chef, on a Bango Bango tout. Il me cherche des problèmes. On a un chef, on a Minako, on a Némi, on a Matata, on a Tambay, on a un chef, on a Bango. On a Kinyo, on a changé en côté. On a un étudiant, on a Yeyo. Yeyo. Dieu me cherche des problèmes. Donc, à l'ingénieur, il y a un langage qui s'assoit à langage qui quoi. Pas à qui, moi. Et puis, au moins, ils ont un impact. Nous autres, Bambi a dit la même chose. Oui. Donc, moi, bonne gouvernance. Tu as 176 sur 178. Donc, tu as l'équipe à deux personnes ici, madame. Tu as l'équipe à deux personnes, tu as doublé, tu as l'échec. Vous comprenez? Nous sommes au Lomiboué. L'État a un budget à 15, il y a 5 milliards. Mais bah, tout le monde qui ne dépasse pas ça, il y a 15 milliards. Et puis chaque année. Donc en, sur 20 ans, il y a 141 milliards. Tout le monde a un pour il est à la tête de à peu près 2000 jeunes de ce pays, des Congolais, qui ne sont là que pour faire le travail. C'est un service sous Kabila, même cours de compte, il est dans le salaté. Mais aujourd'hui, comment ça commence à fonctionner? Parce qu'on a les combien de fois cours de compte à notre époque, il y a un parlement, parce que cours de compte est relevant dans le parlement. Mais l'acceptation que nous, bon à l'État, autofota, qui budget, qui exécuté, et qui n'a pas eu ça, pourquoi on t'a le battu? Jour bah nommé mutumo na kuto papa président nommé sur l'ingéte musuba genre bah l'ingéte musuzo na cour de compte pour total assicoré. Est-ce que tu penses qu'avec Elana on peut changer? T'as besoin de bon au papa la ngai t'as besoin de bon au toto ngambo koyo. Mboko ezambo kaba autoroute. Mboko ezambo kaya ba train aminene. Vous comprenez? Mise une photo au moment de la matadi. En fait ta réalité c'est que tout droit descend et combien on descend kilomètres? Ouais. Exact 360 on a pour nous avons moins 150 kilomètres à bah courir. Mais si tu tiens tout droit, tu bouki bouki bangomba oyo. Matadi, na avion 45 minutes. On ferait Matadi en 1h30. C'est la même distance que Bruxelles-Paris. Ouais, et puis ça nous gagne en termes de temps. Hein, ça... Nous avons des gens, mais j'ai fait combien de minutes? 26 minutes dans le monde. Mais c'est des distances. Que tout le monde sur son outil, donc Tokyo, qui est dans Kobe. Voilà. Mm. Donc, en fait, c'est possible. C'est possible. Mais il faut trouver l'argent. Oui, alors, il faut trouver l'argent en nous organisant. Je suis content que la GKMIN, maintenant, sous impulsion, après le ministre Atika qui a déjà pour moi, tu as eu exploité cobalt. 67% il y a réserve, il y a production mondiale, il y a cuivre dans l'abysso. Il y a un Cameroun, il y a un Kataka prière à Congo. À Kataka prière à Congo, vous travaillez. Vous demandez à Dieu de vous bénir, vous êtes, passé, vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des Congolais, vous êtes en venir, Mino. Non. Alors, après, si, mais en même temps, il y a un forum à Congolais, quand même, il y a plaisir, même ceux qui servissent à la communication à chef de l'État, dans sont organisés. Eric Asabengio. C'est. Il faut le Rabino. Oh, c'est le. Il faut le Rabino. Azadianakin, non. Zongo 2. Oui, Azadianakin, à Kenaïté. Zongo 2. Déjà, pilonne, il y a courant. Et comme il côté déjà mon gars là. Oh. Mais n'habitez pourquoi pas le bolac sans monter. Mais parce qu'on ne communique pas assez sur la question. Donc, président Fatshi, Zongo 2, pilon y a courant et comme il a mon gars là. Oui, vous alimentez ça. Pourquoi pas le bolac sans monter? Pour ce n'est pas le pays, il y a déjà un bango. Bon, ça, là, bien,
Mais qui devait communiquer l'action là? SNEL ou communication président? Communication président. Mais pourquoi il ne communique pas assez sur des questions comme ça? Bon, il y a un coma. Il y a un avion auto. Il y a besoin de couper un abino. Il y a une idée. Pour avoir une idée, il y a besoin. Parce que nous avons un cas de côté comme ça. Effectivement, il a raison. Pour niveau, on a effacé les tableaux. Aujourd'hui, tout est allé. Pour présent, il y a un président, monsieur, il y a une phrase. Il faut envisager à venir un de ces quatre matins nous donner un coup de pouce. Le président Tshisekedi, le 7 octobre 2019. Il y a un bloqué, il y a de toute manière, il y a un joueur à danger. Soit un joueur à danger au Bangate. Derrière, mon gars. Mais il y a un joueur à danger trop tard déjà dans ce côté. Vous avez député, au Luba devant tout l'Assemblée nationale. Que fallait on envisager guerre na Rwanda parce que trop c'était trop. Mais ngana yim tabitumba bitoke bon savoir monsieur. Mais ce que mboso parle bien presque la même chose en fait, mais en d'autres termes. Mais alors bah toi le mboso fait des missions. Et bah na moni za agitation pamba pour rien zali. Même un député na qui voit si mboso le mboso attend la combo na justice. Té né wala toi député wana ala na milice na 2000. Té bah na té wana net ko sa na mboka na biso. Je pense que d'abord qui est mboso qui a pour Mbosoko Diapanga n'est pas n'importe qui. Dans cette assemblée-là, les gens sont ensemble, mais ils ne sont pas mélangés. Mboso a été 18 fois ministre, négligé par le FCC. C'est Dieu qui l'a amené. Vous savez, Mboso a une histoire extraordinaire que les gens ne connaissent pas. Alors, dites-nous. Ça, c'est l'historien qui parle. En 1985, Mobutu met en place le dernier bureau du comité central, Wambure Komokoufa. Mboso est le plus jeune membre du bureau politique en 1985. Le plus jeune membre du bureau politique. Et du coup, rapporteur, il y a bureau politique. Je parle sous le contrôle, il y a un bureau politique au Bazana Bomoy. En 2021, Mboso se retrouve le plus vieux de l'Assemblée nationale. Moutazan a destin un modèle loin. Donc il est rentré comme le plus jeune et aujourd'hui c'est le plus vieux. Moutande, on a destin à Bongo. Moutande, quand il est dans l'âge, nous avons bien gagné deux mois avant. Bon, moutande, on a destin à Bongo. Et puis, il y a la sagesse, ma casse. Là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé en lui. Pour qu'il soit moins diplomate et qu'il enlève les gants. Et dire que quitter les groupes armés. Oui, mais Kabila leur a dit oui, aussi, plusieurs fois devant nous. Donc, on a témoin. Quitter. Mouvement démocratique de Congo nouveau. Porte-parole de Zakri Baba, je me rappelle ma petite. Na réunion en Est. Na kagape moi terrain na ngai. Minerai tout ya ngai. Ma vie de kita. Donc il y a danger. Encore nga na ngi connexion mi kilo. Na ça la maman na là. Mais je dis non. Quand Mboso dit ça, ça vous dit quoi? Mboso est dans tout à fait dans son rôle. Il l'a dit en des termes moins diplomatiques. Aussi je l'ai dit ici, j'ai vu ce que j'appelle un petit journaliste et un petit député élu local qui va finir son mandat dans l'ombre, qui ne prend pas la parole à la salle, qui veut parler la parole dehors, croyant que moi je vais lui répondre, je ne lui ai pas répondu en ce temps-là. Je n'ai pas le temps. Atirendo Kalina Souki. Député Kalina Souki. Aniswa Meganazak, le Baba Bassou. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai que. Est-ce que quand Mboso dit ça, est-ce que ça interpelle davantage? Ça nous interpelle? Christian, les rapports des ONG internationales,
comme les ONG locales nationales. Les rapports des services de renseignement étrangers comme congolais sont unanimes et citent nommément des gens. Donc Mbosso s'est adressé au Toba Lingala, Libanga na Molili. Non, il est moins diplomatique. Il est moins diplomate. Il en tout cas, Tomémé, on a diplomate. Si on a perdu, on a coupé dans 94, il y a l'autre. Question à est-ce qu'on a ni n'ango est si la raté. Franchement, en tant qu'historien, député Bélé Bazar, on a bandé pour pas foutre dans la mine de l'époque. On a foutre dans 5 000 euros, 6 000 euros. On a guéri si l'année. So guéri si l'année. Bâton au bandeau, on s'en a été, bâton au hôtel, dégâts. Tolobi, il y a ma bête, mais. Boutique à guerre. Ouais. C'est tout. Bouzon, on est normal. Vous payez la kine, tout bon, il était. Mon makila, on est investi dans la zone non conflictuelle. Na Katanga, na Kasaï central, na Kishasa, na Congo central, c'est bien. Mais l'argent vient du sang. C'est l'argent du sang. Et le dire, c'est pas mauvais. Tu aurais dit la même chose si tu étais Mbosso. Mais je l'ai déjà fait. Donc, ça, quand tu vas télémiler, oh non, boy, allez, il va sauter, bon, boy, boy. Je me rappelle que ça a rentré à MONUSCO. Mais qu'est-ce que tu n'as pas été. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Na kenda tikuna na frontière, na kenda tikuna na salaba, ouais, c'est du kafu. Na sala nyo soto. Le moi, comme le babo, ba daye, na babo, ba daye, so ba daye, ou bien daye. To nyo, comme un koto poil. Parce que tu penses qu'avoir fait ce que tu pouvais, mais personne ne t'écoute. Ah, mais non, mais. Mais quand temps, tu nous dis que Kabila le bat là, est-ce que Kabila va dire ça aussi pour de vrai? Kabila, ça va, on a beaucoup de monde. Mais on a TV dans la Congo. Ouais. J'étais pas seul, j'ai 350 à peu près, député. Et Joseph leur a dit ça. Bon, quittez le groupe armé, vous là, c'est vous qui entretenez ma vannanier. Donc, parfois, les plus de 20 missions à l'Est. Et qui n'a pas de problème. Donc, parfois, Kabila n'était pour rien. Bisto na Congo, tu as une mission à ta mort. Il y a eu des problèmes ici, inondation, banito, senga bambongo combien. Mais nos amis de Nord Kivu sont partis combien de fois? Au frais de l'Assemblée nationale. Pour ne rien régler. Pour ne rien régler, bazongi sou ebele, bazongi na fer. Bavana mnyenam. Ils n'ont pas le monopole ya koluka. D'abord, bavana mnyen, bayo rasoni. Alors, le jour qu'on va envoyer une équipe, on va envoyer des parlementaires non kivusiens. Ma combe robima. Non, mais Daniel, ça fait qu'il y a qui dernièrement. Ah bon, content, wana, oh mon nom, wana mission. Wana ikopo. Ah. Ouais, qu'il y a maintenant la charouana. Oui. Au moins, on normal. A qu'il y a. Tina Kazer, le coup. A qu'il y a la Roubero. Oui. Bon, déjà, il y a une mission Roubero dans le salon. C'est l'hôtel. Ah, mais avec une mission de décentralisation, Roubero. Ah, très bien, mon cher. Maman, ça va régner, on n'a pas sans des boulots, on a des TV trop. Et puis, on a dit que le gouvernement, pour nous, on a dit que quand on a dit que le gouvernement, le gouvernement peut être pendant un goût ou quoi. C'est mieux d'en parler parce que tu as le seul gouvernement. Mais avant tout, tu as dit que tu ne gères rien à vie. Je connais ça. Tu as un petit tour, les gars, les députés, dans le mouton Zakaria. Non, on va gérer la chaîne de TV. Comment? On va gérer la chaîne de télé. Des journaux. On doit voter quand même. Tous les jours na TV. Haute autorité des médias, dans le report, on a dit que les gens na TV. Mais les députés sont na TV. Ils ont posé des questions. Papa, si vous avez des questions, vous avez des députés, mais la ministre, vous expliquez bien. Vous avez posé des questions, vous avez des questions. 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 Nous avons un candidat. Mais vous avez dit qu'on va y député, on va y député, on va y pour ça. Au moment où on a lancé la mission, on va y mission, on va y aller pour participer à la show. Mais c'est fini. Non, concerté, on dirait. La salle est l'autre. Ah, ok. Il y a un moment où on a lancé la show. Même moi, je suis organisé à la fin. On a lancé la podium. Ah, voilà, on a organisé la fin. On a lancé la podium. On a lancé la Christelle, la Joka, la Jacinda, et les autres. Ils sont montés. Quand on est député national, on ne peut plus présenter une émission à la télé. Ouais. C'est inconfortable, c'est indécent. Mais comme ce n'est pas Zakari Bababassi, on laisse faire. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et j'ai le droit de le dire. Et tu penses que un député interpelle un ministre, il ne vient pas poser. Dans mon avis, dernier matin, on va dire, oh, maman, moi, non, c'est bien. Bah, député, bah, il va négocier. Ndengini, bah, Robimi, sa population, à Kine. Tourner, bah, dans la barre. Député, tu interpelles le ministre de l'Intérieur. Comment on a Yakouv le faible de la mais député, moi, on filme, bah, tout. Il y a un souci.
Comment tu trouves, pardon, je ne rentre pas dedans, ça, je n'entrerai pas. Sinon, il y a dans ma vie. Il y a une chance au salaire. Il y a dans ma vie, en tout cas, il y a toute la question. Maintenant, là, comment on a un peu d'affrontement. Qui députait ceci là, c'est comme Nicolas, tu s'affrontes. Bon, on a tout le cas, quand même. Nous avons un TV. Ah, la style là, Ah, la style là. C'est un député qui te convainc. Ah, ils ont la style là, il est libre. Ah, la style là, il est libre. Mais ça reste un député. Quand ça, député, là, c'est pas voté. Ah, la style là, Tu es beaucoup plus actif dans le Parlement que dans la TV. C'est tout. Il y a un petit peu de temps. Il y a un député. Il faut qu'il s'efface un peu. Mais pour qui il vient après? Qu'il s'efface un peu. Non, parce que nous, il faut s'efface le monde d'âme, pour mon bébé, ça va vivre à Batébélé, il est né dans un an. Comment ça va vivre à Batébélé? Bon, à côté de la liquide, pour déstabiliser via Batou, quoi. Mais il était président du Sénat, c'est tout à fait normal. Ouais, mais ça l'a bien. Moi, je suis ça, moi, nous avons besoin de sur place. Il faut que ça l'a bien. Vous avez le quoi, tata et battu n'yons. Revenons au gouvernement. Sur la tata et battu, mon gouvernement, sur les amis. Revenons au gouvernement. Baba garçon, mon bar à ma bé, baba à ma bé, ma casse. Il faut que je m'en sors, donc vérité et réconciliation. Baba à ma bé. Baba à ma bé. Clique, voilà, sur toi, on a ma bé. Baba à ma bé. Faut pas y baguer, baba à ma bé. Baba nanga. Nanga, baminaku, baba némi. Bakabila. Bakabila, baba à ma bé. Baba ma tata. Baba ma tata, 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 Alors, gouvernement Zakari Bahabassoui, député ensemble, lobby boy. Parce que dans le bon pourquoi? Parce que c'est identifié qui bon. Ce qui fait que si bon pouvoir, t'es bimi. Ça va bien pour Fatih à redissoudre le rang. Continuez côté de Tokin. Ok. Bah, au pays à Net Molière, par exemple, Molière à lobby, soit Pessi Bango, ministère, t'es bimi. Bah, dissoudre. En fait, nous tendons vers la dissolution. Il y a un président de la République qui a un discours à les 6. Très important. Mais le gouvernement, il m'a dit qu'il y a un gouvernement. Donc, dimanche, au titre de l'Église, dimanche, le gouvernement, il m'a dit. Tout ça, non. Je suis un peu belé. Mais André, tu as la notion d'urgence. Le pays va mal, il paraîtrait. Bon, pour l'angai, il y a une faute. Il y a une faute. Imprudence. Ngambo, ils ont beaucoup un chef de l'État. Pour l'angai, il fallait continuer là on a. Parce que toi qui déjà es là, il y a qu'au Sakanaté. Et pas, bah, ça dit de députés par contre. C'est-à-dire qu'il y a qu'au Sakanaté, c'est-à-dire le 6 décembre. Printemps parlementaire, voilà. Donc, c'est-à-dire de fait à lire ou en le 6 décembre, voilà. Faites au fêter bon année dans le gouvernement. Franchement. Attends, 15 personnes. Attends, 15 personnes. Moi, je l'ai dit aussi. Hein. Ouais. 15 personnes, bon, et puis 15 personnes, et puis après, comment courir, comment détacher, comment. Oui, oui, oui. Même Moussa Salara. 15 personnes, ministres, moi, on a 3 ministères. Et ça, les 45 oui, de oui. Ta machine. Après, vous détachez. Après, vous détachez, moi, quand on est. Nous avons un ministre de sport. Dans le stade. Tout le match, le ministre a bien été. Il a bien dit cadeau, moi, il y a. C'est le ministre de sport. Ordonnance verbale, quoi. D'abord, il y a Hollande après. Le chef de l'État peut tout. Mais. Abanda Moussala, on a mis son angaï, peut tout manier, peut boulot, tout coaché, peut ma solo. Combien de moutons c'est l'ambassadeur Yav Tchébal que je salue à Zana Cuba, pour l'instant. Mais est-ce que vous avez monté que Fatih a donné à un petit député, on a reçu beaucoup plus d'importance? Ça veut dire que. Ça dépend de ce qui est en cours parce qu'on va remonter les mains. Moi, on a quatre. On a combattu les Alarabes. On a récupéré ma force. On a récupéré ma casse. Comment vous va? Oh, les lois alternatives, est-ce que ça a des solutions? Il y a des solutions. Parce que Ngaï, Nazo, il y a des lois chrétiennes qui sont le gouvernement de l'Union Sacrée Panzani. Alors, mais finalement, pour éviter que Panzani, on a fait une. Faire sauter le Parlement de Bahamo. Il faut que le président soit so expliqué. Il so n'a pas ça qui est un temps. Pour le prochain, il y a un temps. Il n'a pas ça qui est un temps pour abolir mon peuple. Mais la monique a été nommée par le ministre tel. Et puis tu as évolué. Donc voilà, tu as dit sur le Parlement, tu as dit sur l'Assemblée nationale. T
Parce que c'est un fonctionnaire, il a fait carrière à Bandi, simple analyste, et il est là comme, DG. Il peut bon faire un bon ministre de l'Intérieur. Comme ça, Fantomas a tiré le nez côté. Infrastructure. On prend le jeune qui est dans le ministère, il est le conseiller de l'infrastructure. David Moukeba. À Côte d'Ivoire. Dans le budget, Bambia Kabazali, le jeune homme, Salam Moussala, le Ibn Makambaza, le Fungwama. Le vice-ministre, quoi, c'est ce qu'on a finance. On peut faire un bon ministre de l'économie. Bazui, dans le ministère de la finance, le rôle de José, c'est les. Oh, il y a combien de coûts d'un ami, moi, combien on a donc un super. Je comprends. Tchéna Nouranganda, il gère pas bien Hollande, il y a Sima, mais en même temps, Tchéna Nouranganda, il y a un peu de malade bien. Manuel Tchani. Noël Tchani, il faut qu'il y ait la banque centrale. Ok. Il faut qu'il y ait la banque centrale. Sur Zach, il y a la place dans le moment. Bon, là, Zach, il y a le premier ministre. Ou bien le ministère en Italie. Sur le premier ministre. Bon, le domaine dans la prédilection, culture et art, communication, jeunesse et sport. Le domaine dans la prédilection, environnement. Bon, justice, pour Tchani. Bon, par contre, il y a un peu de juste, un peu juriste. Ah oui, oui, j'allais, ça. Il y a un peu. Ouais. Donc, Et tu penses qu'avec un minorité. Parce qu'aux États-Unis, par exemple. 15 personnes, Barossa, Moussa, Nambogo et Peto Kamoué. Parce que la minorité a toujours. Pour renforcer le pouvoir à la gouverneur du Soleil Tamoué. Assemblée nationale, dissous de Ronkamba. Parce que Barossa, il va investir. Il va investir. Discours, le 6 décembre, il va investir. Il va investir. Il va dissous de Ronkamba. Et puis, moi, il excuse ça. Alors, est-ce que tu penses que il y a un recensement? Ils ont bien, mais dans la province, ils ont la province frontalière, ils ont moins de difficultés. Mais toute la plaine des Ruzizi, les Rwandais sont là. Mais tu penses aux élections en 2023? Mais pourquoi pas? Ils sont là? Aussi. Mais papa, tu as dit que tu as couffé avant 2023. Tu as couffé avant 2023 la corona. Démarche église catholique. Tu as couffé en année. Démarche église catholique. Église catholique comme Batignon, surtout dans le Zambé. Ils ont le rôle de l'évangélisation. Batika politique n'a côté comme pango et l'église et la paroisse. Toutes les écoles sont vendues. Il n'y a plus d'espace vide. Bizarre. Non, ces écoles-là ont été conçues. Lisez les archives. C'est pour qu'en 1985, Baton Boulangé, mais là, on vend tout. Tous les espaces sont vendus. Babar et comme à Vélodrome, il y a un problème. Alors, tu penses qu'il faut Bazongue là-bas? Bazongue est la fondamentale, côté A. Encadrement, rôle d'abord classique, l'évangélisation, l'encadrement moral et spirituel, une sorte d'aumônerie générale républicaine. Bah, je me suis dit, je suis dit, je suis bénévole. Vous comprenez? Tu suis dit, je 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 suis dit, donc nous avons perdu côté moral. Et ça, c'est le rôle de l'église. Et l'église veut le faire. Bah, comme ça, comme il réclamait la car, la Jeep et était. Par contre, pas comme ça, et moi ça me dérange, et c'est le moment de le dire, c'est que l'église catholique, l'église protestante, qui les confessions religieuses, bozong la moussala na bino ya côté ya liloba ya nkolo. Vous vous écartez un peu. Pour moi, on a travaillé biso de l'intérieur. Si on arrive au sein de la présidence, c'est une. Tout le monde a. Par contre, on a des c'est une on a la présidence. Et puis après, société civile. Oui, mais puis après. Mais monter société civile, vous appelez Moutouka, maman Mokope, vous appelez journaliste. C'est ça. Bah, mais pourquoi pas? Ça rend tout bien. Alors, mais on va terminer. L'histoire de Moussa, c'est un modèle seulement et on peut son cadenas et sexuel en même temps. Zachary, Baba sur les mots là, l'élo m'a sur les alliés terrible. Moutoumou, la mouka a commis un texte à Pamba. A commis un texte. Texte n'a pas aboué. Alors, lui, je n'ai pas paraphrasé. Il faudrait arriver à un moment donné que le président de la République soit né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Fin de citation. Zachary Bababa sur Nevisio.
Babo Mega toi kufa tonde. Mudongo Noel Tiani. Ma fingi Noel Tiani vinaye, passe naye, aza américain. Moi ça qui maye. Et tout ça. Et tous ceux qui le disent sont katumbistes, katumbistes. Alors, ils appellent autre. Moi, je suis le Denis Sanga, Olivier Kamita. Je suis le tout premier à dire à haute voix. Je suis rapporteur du groupe parlementaire Terre d'Avenir. C'est-à-dire Namanani, Mende, Pius Mabilo, Kinkei Moulumba, Totondio Nanouté, Talakaba Mende. J'ai dit, moi, en 2014, ça sur Internet, décembre 2014, la majorité présidentielle, on ne se donnera pas le coude. Kabila n'aura pas un troisième mandat et des personnalités comme Moïse Katumbi, Bangonde Barozala, Aza candidat côté de la majorité présidentielle. Katumbi était encore gouverneur. N'a consulté à PIT. Aza rappelé Master Langate. On comprend? Parce que dans telle configuration, on a tout. Moutou, Oyo, Akoki, Kozala, plus mieux que candidat que Moïse Katumbi Azate. Nazakai. Et je l'ai soutenu en 2018. Ma déboire, nous sommes en Oyo, Batoa, AMK, ma cancer est étiquée, Zakaria va disparaître. J'ai toujours aura nanga. À tout moment, quand je vais bondir, j'ai rebondi. Il y a un sphinx dans la marque, il y a un phénix. Vous comprenez? Mais les lois et les situations évoluent. Et c'est dans mon débat qu'on peut ouvrir. Le seul qui ne soit pas né de papa congolais, ce n'est pas que le président Moïse Katumbi. Il y en a d'autres. Encore que nous devons examiner en temps voulu. Si cela a une incidence réelle quand on voit des pays comme les États-Unis ou comme la France. Vous savez, l'actuel ambassadeur de la France au Kenya, c'est l'ancien ambassadeur de Bénin en France. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je vois. Mouto Batindeke, Bénin Tindeke comme ambassadeur de France, avant d'être tellement en France, à s'imprégner tellement la politique, il y a France. Mandat Naye Sili, président Macron a préféré Naye Atindaye béninois comme représentant de tout ce qui est valeur française dans un pays islamiste comme le Kenya. Donc Atindaye en Afrique, des choses. C'est-à-dire un Africain qu'on envoie représenter la France. Hein. Mais il est venu en France comme ambassadeur. Comme ambassadeur. Ça veut dire que les valeurs ont changé par rapport à une élévation d'esprit. Donc ne personnalisons pas le débat, mais. Oui, c'est un débat qui est engagé. Est-ce que ça vous intéresse? Essayons de discuter. C'est un débat qui est. C'est un débat des Congolais au regard de tout ce qui s'est passé dans le pays. Mais je pense que Moïse Katumbi est moins dangereux que d'autres Congolais des pères et des mères. Beaucoup de gens qui ont vendu ce pays ici sont des Congolais des pères et des mères. Oui. Beaucoup. Donc je pense que Moïse Katumbi peut faire un bon président de ce pays, hein, en effet. Mais pourquoi on se rentre? Pourquoi on arrive au point de se rentrer des... En fait, le problème, c'est que nous occupons à l'accessoire. Le problème, quand on entre en politique, et c'est valable pour le président, les ministres et tous les autres, c'est pour apporter des problèmes, des solutions aux problèmes des gens. Quels sont les problèmes des gens aujourd'hui? L'électricité, santé, transport, famine et tout ça. Est-ce que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2023 ou qu'est-ce qu'ils vont manger en 2023? Tant qu'on n'aura pas compris que le président est là, que le parlement est là, que pour apporter des solutions aux concitoyens, on n'aura rien. Moi, je considère ce débat comme un vrai débat, un bon débat. Obama n'allait pas être président aux États-Unis. Oui, mais puis après, non, en fait, à la fois, ils ont débat, ils ont en gros sans passion, mais l'argument vous allez pour montrer que Moïse Katumbi ferait un bon président. Mais puis après, ils ont à rien de nous descendre insultés. Je ne vois pas pourquoi les gens s'insultent. Ça, c'est un peu dans la culture congolaise. Mais là, maintenant, ce sont des. Je veux dire. Heureusement qu'il n'y a pas Zakari dedans. Alors donc, moi, je ne donne pas tort à Tiani. Tiani, il y a des gens qui ont appris sa vie, c'est tout. J'estime que tout le monde a un débat. C'est un mot consultatif. Comme toi, tu le vois, moi, je le dis la même chose aussi. Toliana, tout est en solaire en construction. Toliana, le lot, pour qu'on couvre avant 2023. Oui, oui. C'est plus important. Moi, je suis là, 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 les athées, tout ça va pour moi. Et puis tout le temps, Fachi, ça sortira ou pas? État d'esprit, n'a pas bien. État d'esprit, président. Non, tu es pour dans le sens que l'état d'esprit n'a pas ouvert. À quoi on évolue? Mais on dirait comment yoka. On dirait que l'Afrique de l'Ouest, c'est pas une Kinesus.
Norbert Oli Solomon, un jour, il y a Kabila. Modèle va dire que tout qui se lève à moi, il y a ton nom. Au second moment, on a TV, Koufa, on a yo. Garde à Ego, dans ce que ça va se garde à Zanam Kouzinae, un samedi après-midi, il y a un bureau privé à Moukouzi. Il y a TV, il y a un salaraté. Il y a un la guitare. En plus, Ayoki chef naye azo gangela moto. Yo, lobi na tongo, signé ordonnance wana yena tongo puis yomoko bengangai. Naye kozwango et puis osalaboye. Oh, yé azali banda bi oh. Chef azo lo banana. Apusa na pemene. Amoni chef ala taba. Webi njilu. Bébé on. Té. Bergine. Basolo. Basolo. Ala ta onko bilo ramatoi. Tout voilà pilipi les mots que je dis en bilaya wa. Alata, mais t'as quoi là Bangola? Azolo bana télévision Kabila mon ami na TV. Kabila. Mais TV Koufa. TV Koufa mais Kabila bimi. Kabila pas tiens oui. L'homme là on attend. Car on est balobai Kabila bien hier aux ordonnances hier au salon maman. Chauffeur tout la mouise yaza. Ça. Akima. Tout l'engagement. Ben. Prochaine émission. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur de recevoir Zachary Bababassou et le phénomène. C'était un honneur en tout cas de le recevoir. Je crois que prochainement, on va être reconnu à l'issue de l'Oupart-Soukiwana. Parce qu'il faudrait en parler. Abi, Baotoki Sanzung, Fatih, vous avez bon à l'Ouest africain. Baotoki Saïba, vous avez dit que. Yo, Fatih! Dengue Zangari, vous avez compris. Baotoki Sando, il faut m'avoir déjà multiplié ma prière. Prière à son âge, chef, moi, ma boulon, on a séca. Madame, t'as fait un défi. Et puis, Fatih, pendant le pouvoir, pendant Nathalie, il a photo au moins 12 fois. Comme on est à Foukami devant la salle ensemble. Donc, on dirait à Bossani, maman, et au Foukami, on dirait. Des fois, on est là, ce soir. Pour voir au Tokisa, il y a un Zoom. Un Zoom, un modèle, il y a un social. Il y a un Zoom. Au Tokisa. Mesdames et messieurs, merci. Est-ce que, voilà, une question, ok. Aussi, ma qui s'y est déjà la vie. En tout cas, comprimé là, hein? Donc ça dit va. Mais dans ton auto simakisi. On dit qu'il s'en a attention. Ah, on va aller à Goua. T'es Goua avec. Attends, on va Kamo. Bakamo. Là, on va qu'il s'en mouille, on va qu'il s'en mouille. T'es voilà, c'est chiant. Parce qu'on s'en venait, non? C'est vrai, bon, voilà. T'es regardé, mais Goua, on a la puissance, mon robot. Et puis, la famille, c'est pas si marate. Bino, mais c'est bon, ouais. Bissou et Panabissou. Aussi marate. Moi, je n'ai rien vu. La monnaie est soda, là, moi, un soda de bosso. Moi, né. Na monate ka zoni na ndawa sese ceremony et tata ba luba o soso mo kati mtu na monate ba na ngapende bazawana na mona na ngapete na ipsa bango pe lokote nga pe manga laksanga denzela class na église c'est tout yo nga pe na laksi ba na ipi lelo bo neti na japane ta ajo papa na ngai ko ki soso ma o mtu a koko de Jésus ba koko na mona simba soko ki se pona na sa soni ti nini na loba na kesa na sabino chaque jour o na sina o na zuite o na rata dans 3 ans na 50 60 ans do na rata déjà. En tant que permettant quand même dans la place à Roland, à Awana, à Mikili, et puis à Mambo Ramsou. Sans un bon à l'État. Combien de parcelles n'a qu'il ? Eh, Bélé, il y a un peu de temps pour que je ne me dise pas. Les alliés. Dans le Soukouna, vous savez que. Le bailleur, il y a un étranger. Denda Roukara, il y a un peu de piscine, donc il y a un peu de temps. Business class depuis 20 ans. Depuis 2003, ils ont encore volonté. T'es dans ton question au Côte d'Ivoire, ton question. T'es le roi ton question va te bêler. Le roi ton Côte d'Ivoire, mon papa, il m'a 5 ans, va te bêler le 20 janvier, le 20 avril. Toi, son économie, toute l'animation, tu as créé où il n'est pas si ma vie. Il y en a bien. 3h30, tu remets Abidjan, tu remets la Tikuna. Donc, toujours que le 20 janvier, pour le 5e anniversaire à Papa Wemba, tu remercies Gentiline Gobila du Soussou. Non, ça, la liste. Mais yo osate. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup, Namatou Baladaibisso. C'était un grand honneur de recevoir Zachary Bababassoué. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, qu'il y a la peur qui est dans l'esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément la carte de Washington.
Balobi maman marde né. Maman marde né. Balobi shop Africa Union. Et donc t'es qu'un nyonso. Biloko yaye. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matete. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capip et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Mama, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa finit ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Nazananzela nazozongandako. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuez aux hommes, ces hommes et noirs, Taïmada, Chino, Tuenélé, Nakimia, Panapiko. Loye Mali, loye Bolo, nene la lisa.